Toujours branché sous chaîne 283, ou à suivre Caméra Mosaïque, réseau de Comcast dans l'État Massachusetts. L'autre point dans l'actualité pour ce maintenant, nous allons aller dans l'Antana, dans la ville Randolph, côté samedi 10 mai qui s'est passé là. Bien plusieurs pasteurs dans la communauté haïtienne qui sont sortis tout partout à l'invitation du consulat général d'Haïti à Boston. Donc, ils étaient réunis dans l'Antana. Eh bien, et pour y parler de action, eh bien que l'Église Sayo, même y a entreprendre dans le pays d'Haïti. En quittant avec propos d'introduction de Madame Marjorie Alexandre Brunache, consul général dans ville Boston, Cap Dino, qui objet réunion ça. Merci. Mes chers invités, bonsoir. Merci d'avoir fait le déplacement. Je suis très fière. Et aujourd'hui, en ma qualité de responsable du consulat général d'Haïti à Boston, de vous recevoir. Merci de vous être disponible pour assister à cette rencontre. Les réunions aujourd'hui sont une réunion qui est très importante pour moi et qui me marque. Pour qui ça? Parce que moi, je pense que nous-mêmes référents, nous-mêmes pasteurs, c'est des leaders que nous avons dans la communauté. C'est des leaders spirituels que nous y est dans la communauté haïtienne et nous connaissons qui gens haïtiens fervents. C'est-à-dire, et en tant que leader, nous avons une capacité de changement. Capacité d'initier, d'inspirer le changement et faire basculer un peu les choses pour que les gens prennent conscience de la nécessité de changer et prennent les dispositions qu'il faut. Aujourd'hui, nous avons un pays qui a été secoué en 2010 et maintenant nous avons un gouvernement qui est tout à fait disposé à reconstruire le pays. Mais la reconstruction ne peut pas se faire sans vous, sans la diaspora. Et cette diaspora doit se mettre ensemble avec ses leaders et c'est ça le rôle, votre rôle, c'est vous, les leaders de cette diaspora, qui doit converger les efforts de cette diaspora pour travailler au progrès et au rétablissement d'Haïti. Nous avons pensé que faire cette rencontre avec vous, la raison principale, c'est de vous pousser à plus d'engagement. Nous savons tous que vous êtes très attachés sentimentalement à votre famille et aussi à la nation haïtienne. Mais en dehors de cette sentimentalité, nous voulons autre chose. Nous voulons de l'engagement civique. C'est-à-dire, non seulement vous aimez votre patrie, vous aimez les membres de votre famille restés en Haïti, mais que vous vous engagez civiquement, que vous vous engagez politiquement pour faire bouger les choses. Maintenant, nous voulons que cet engagement, comment cet engagement va se matérialiser? Nous voulons que vous deveniez des ambassadeurs auprès de vos fidèles, mais aussi de la communauté haïtienne de la diaspora. Que vous soyez des ambassadeurs qui les poussent à retourner dans le pays, à retourner pour visiter, comme touriste, à retourner comme investisseur et aussi à ne pas laisser le pays dans un état de délabrement. Il faut refaire l'image d'Haïti. Le gouvernement ne peut pas seul changer cette image. Vous êtes les ambassadeurs d'Haïti. Et c'est pour cet engagement-là qu'on a voulu avoir cette rencontre. Aujourd'hui, non seulement on va vous présenter le rôle du consulat, c'est-à-dire notre rôle en tant que consulat d'Haïti à Boston, mais aussi on veut vous entendre. On veut savoir comment cette coopération peut se faire, comment le consulat peut travailler avec les pasteurs de la communauté haïtienne pour que nous travaillions ensemble pour trouver, pour progresser, pour apporter quelque chose de nouveau pour Haïti. Donc, quelque part, c'est le but principal de cette rencontre, vous écouter et savoir comment on va travailler ensemble. Donc, cette rencontre, ce serait, je dirais, un début. Ce serait le lancement d'une collaboration entre le consulat et vous. Et pour cela, je dois vous dire que nous comptons sur vous, parce que sans vous, je ne pense pas que le travail pourra se faire. Merci beaucoup. Qui lance l'invitation à la communauté haïtienne, notamment les pasteurs. Moi, capable de dire que c'est un privilège parce que
nous connaissons généralement en Haïti, c'est toujours un écart entre le gouvernement et le clergé. Donc, je crois que ça, c'est un rapprochement qui nous fait jeudi à consulat à faire. Moi, vraiment apprécié. Mais, je me fais une retraite pour me dire que, en fait, en tant que citoyen qui milite dans la communauté en ville, je crois que le travail que nous prenons, le travail que le ministre Lounach prend, c'est vraiment une portée pour moi beaucoup plus significative parce que il est vrai que depuis 2001, nous sommes c'était Sherman et Cheyo, nous avons toujours eu une visibilité avec le consulat haïtien, mais je suis capable de dire dans la dernière année que nous en fait, rentrons dans le consulat, nous sommes capables de dire bon cheminement qui fait avec un autre niveau, une autre dimension. Donc, merci pour le travail que vous avez fait. Et moi, j'espère que peut-être dans le débat que nous avons fait jeudi, il est capable peut-être éclaircir un petit peu plus comment le clergé ou soit le corps clergé est capable d'intégrer plus dans le travail, ça, de sorte que malgré a toujours gagné une certaine dichotomie entre gouvernement et État, mais quand même, nous sommes capables d'avoir une vision, côté nous capables de faire chemin ensemble. Merci. Merci, Bill. Alors, moi, féliciter surtout le travail que l'on a fait. Ça a gagné plus de 4 ans depuis que moi, j'ai un changement, ça a fait dans le consulat, le rapprochement qui fait ensemble avec la communauté haïtienne. Moi-même, travaille surtout sur le plan advocacy, puisque je fais partie de l'organisation qui c'est Greater Boston Interfaith Organization, plus une organisation haïtienne qui est le Two Alliance Center. Je suis certain qu'on a contact avec Roosevelt, Deronville, qui fait partie du JEPCA, à côté que nous accompagnons la communauté, surtout haïtienne, qui rentrait après quand on était là, de façon pour nous capables de diriger, pour nous capables de subvenir le service. Et nous assister aussi, parce que nous, en quelque sorte, assister plus de 50. Plus ou moins 15 Haïtiens ont obtenu cette d'arrêt Different Action lorsque vous êtes qualifié pour le TPS haïtien parce que vous êtes rentré après le 12 janvier 2010. Nous toujours continuer à faire travailler ça parce que nous travaillons ensemble avec GBIO pour nous permettre de conseiller de l'éducation financière qui fait pour Haïtiens parce que nous avons programmé les Moving from Debt 3-7 qui passent dans différentes églises que nous accompagnons pour plus de 700 famille haïtienne qui reçoit éducation financière et qui permet que vous bénéficiez d'un stipend de 450 à 500 dollars pour être capable d'ouvrir à 40 et qu'on ait commencé à faire. Et nous permettre aussi que l'on ait de cours d'anglais qui établit dans différentes églises haïtiennes pour plus de 100 compatriotes haïtiens et aussi des cours de CNA que nous continuons à faire ça, accompagner dans l'aspect ça. Alors nous travaillons avec différentes organisations dans la communauté haïtienne. Surtout dans la communauté colonie de Matapen, et je veux établir liens et ponts avec les Haïtiens, avec différentes communautés qui existaient. Alors, merci pour travailler ça et de continuer à collaborer ensemble avec vous. Merci. Et nous saluons tout le monde, nous disons bonsoir, et encore une fois, nous saluons le panel là. Et nous remercions bien du fait qu'elle a accepté de rencontrer avec le pasteur le lien. Et moi, après le tremblement de terre là, nous avons pris le monde et nous dit pas ces effets, qui ça nous a fait pour aider. Et on a bagay que nous dit que bon, il y a deux volets, il y a des Haïtiens qui sont sur le terrain en Haïti, et même d'autres des Haïtiens qui sont déplacés venir sur les États-Unis. Parce que quand tout le monde vit à Haïti, tant que l'humanité est obligé de faire venir pour essayer de s'acquérir résidence, citizen, etc. Mais venir pour essayer. D'abord, nous sommes pasteurs Pierre Zéphir, de l'Église de Jean-Jacques et des Amis de la Sagesse, et le Centre de Compassion de Boston. Nous avons pris le network pour aider à contourner les problèmes haïtiens. Nous sommes membres dans Black Ministry of Alliance of Greater Boston. Nous sommes membres dans HAU. Nous sommes membres dans fondateur HAU. Nous sommes membres dans l'Association des pasteurs haïtiens. Nous sommes membres dans cette monde, le même secrétaire. Nous sommes membres de Sanoël Black Ministry of Alliance of Greater Boston, bien aimé. Nous aussi fait partie de sa nouvelle un groupe qui fait former tout récemment, qui est le CBI. C'est un groupe qui a pour avec capacité building dans l'État haïtien et parmi l'organisation qui l'a donné, l'organisation haïtienne. Nous
gagne un bête tomorrow, et aux fesses, nous gagne, vous la Boston Nazareth, vous avez fait des donc nous, c'est organisation, ça, network, ça, c'est magistrat même qui va accomplir. Donc naturellement, nous avons les étrangers qui comprennent le travail, ça, yo. On va prêcher, non, mais c'est pas dans un contexte biblique. L'église des fêtes commencé après la Pentecôte, dans Actes des Apôtres chapitre 6. Et puis apporter des besoins sociaux. Et puis il a dit, bon, il n'est pas convenable parce que ce n'est pas de l'autre moyen pour nous prêcher, c'est seulement prédication verbale, parce que ce n'est pas de moyen que nous avons. Il a dit, bon, ça, il va bien séant, il va bon pour nous quitter le ministère de la prédication pour nous occuper, le monde a bien besoin. Il a dit, bien que nous n'avons pas fait ça, mais son responsabilité que nous avons pour nous choisir le monde pour faire ça. Donc naturellement, nous ne pouvons pas attaquer personne, ni de notre passé, etc. Mais il y a quelqu'un qui pensait que, ok, des voies non seulement prêcher l'évangile, nous n'avons pas besoin d'attaquer le ministère social. Cependant, les normes là, les normes problèmes, c'est dans l'autre côté d'aller, dans l'organisation séculière qui est allée pour nous prendre soin, pour nous faire tout le bagage. Donc, nous pensons que les autres disent qu'on ne s'en pas bon pour nous quitter le ministère de l'éducation, mais on dit qu'on choisit 7 hommes qui nous rendent responsables ça. Donc, ministère, nous, mission, nous pensons que le pasteur, comme on dit, ça, c'est l'homme dans la totalité de son être. Ça veut dire que ce n'est pas seulement spirituellement, mais social là tout. Il y en a un qui même réalisé dans l'État haïtien, et moi je me dis ça, comment est-ce que les niveaux de pauvreté au monde, j'ai calculé ça ici aux États-Unis, et pauvreté aux richesses, j'ai considéré ça. Il y a des gens qui pensent qu'ils soient affichés 100 000 dollars, donc ils sont monde qui bien. Il y a des gens qui pensent qu'ils soient affichés 50 000 dollars, par mois, ils sont monde qui bien. C'est bon, non, c'est pas ça. Ça va dépendre de la quantité de responsabilité qu'on est bien. C'est comme ça qu'on calcule. Donc, on réalise haïtien, quand il y a un haïtien qui a besoin, un pile besoin qu'il y a, ça fait ça. C'est parce que tellement de monde en Haïti pour y aider. Donc, si comme il est touché, il est obligé qu'on y a, prendre si comme là, vous en Haïti, et puis il y a vu la pauvreté là-bas ici, pour être qui a aidé l'autre monde. Donc, il y en a un qui a été fait. Le grand foot point qui sert à peu près 500 monde par semaine. Mais dans le foot point qui sert, il y a un qui a dit, ah, je vais aller, on va manger, on va aller, vous essayez, il y a un monde qui va comme ça. Il y a un monde qui va occuper là, comme ça, quand il y a là. Parce que dans ma quête, là, manger avant de cher. Donc, au lieu de la marque qui a pris l'achat, l'agence a aussi le pour la famille en Haïti, et bien la foule de la famille. Donc, c'est une responsabilité que nous avons pour nous faire ça. Et nous avons pile aide, nous avons pile étranger qui est de nous. Par exemple, qui aide nous pour nous faire ça. Par exemple, nous avons organisé qui fait nous garder un choc. Et nous servons avec un pile confrère pour aider, pour permettre, pour nous entrer en manger et distribuer nos centres de reverse tout dans la peine. Mais au son passé, là, on comprend son scandale, on comprend que nous avons arrêté dans la zone. Pourquoi je ne devrais pas faire ça? Donc nous pensons que son responsabilité que nous gagnons, et comment il dit nous l'homme dans la totalité de son être, ce n'est pas seulement ça que nous faisons, non. Tout ça nous a fait qu'il y a ici un besoin ici. Nous avons fait, mais c'est qu'on a nos limités dans les ressources que nous gagnons. Donc nous pensons, si le conseil est capable de pencher sur ça, et nous sommes contents. Et nous disons merci à Pasteur Magdalenestin qui comprend ça. Docteur Soline Bédouin, est-ce qu'elle est dans la salle là? Est-ce qu'elle est là? Elle est déplacée. Elle est déplacée, c'est ça. Et nous pensons tout le docteur Odis, je connais le travail ça. Donc c'est ça nous avons évoqué, monsieur Bédouin. Baptiste, et c'est du tréfonds de mon cœur que j'ai exprimé appréciation à un personnel consulaire pour raconter ça. Et dans, je dis, moi, suivant les pas de président Noun, pasteur Marc Bienestin, que c'est en début, et nous espérons que ça va continuer. Alors, l'Église, nous, est un peu ancienne, tardée, non, en communauté, hein? So, nous vivons et arrivés à ICO en mars dans les années 79-80 et nous avons participé et les années 87-88 avec le programme pour légaliser un pile haïtien. Et donc, nous, pendant quelques temps de travail avec haïtien dans notre pays, particulièrement dans Bahamas, nous fait 15 ans. À Baïkonkono. Et dans Bahamas, nous connaissons près de 75 personnes qui sont des États-Unis, Canada, Saint-Domingue, la France, Jamaïque, venir passer ce matin pour aider les communautés à prédication au soir et au cours de la journée, programme médical. Et avec les gens qui parlent de gens, car l'hôpital, parce que je peux aller. Et le médecin qui travaille avec nous, docteur Myrta Jean, et qu'on mène près de 13 docteurs, infirmières et infirmières. Albaï concours, il y a près de 900 personnes pour semaine. Et par médicaments, et je me souviens dans les 2000, c'est des médicaments qui vaut 45 000 $.
qui sont médecins cliniques en train de faire dans ce Bahamas. C'est madame qui travaille avec les femmes de passion, nous menons des séminaristes en travail géniaux, parce que c'est grand pile qui est en prison. Et donc, ça a continué, malgré mon absence durant ces deux ou trois dernières années. Et donc, en fait, on a croisé le Bahamas là, c'est 19 au 25 mai, et donc, peu de semaines. Mais durant les 10 dernières années, nous avons plus attention aux Haïtiens en République dominicaine. Nous travaillons à La Romana. Et nous avons parti à La Romana 4 au 11 août de cette année. Et ça nous fait autant que possible. Nous essayons de connecter les Haïtiens par nous à l'église Boissy. Et l'église à Bakonkoyo. Et nous avons justement, depuis le tremblement de terre là, c'était une opportunité pour nous montrer à mon nom de façon spontanée. À tant de concitoyens et concitoyennes que bon Dieu voyait au milieu de nous-mêmes. Et de nous remercier, mon Dieu, du fait que nous ne pouvons pas périr le tremblement de terre là et nous faire de notre mieux pour accueillir. Or, dans l'Église, nous, à la fin de l'année 2010, le département financier allait nous faire rapport que nous investissons 45 000 $ dans l'aide à mon qui vient. Et ça a continué 2011-2012 au point que nous finalement incorporé. Nous créons un département d'aide sociale. Oui, bien qui est enregistré dans son propre nom. Et donc, le directeur, c'est le frère Arthur Almeida. Et donc, sur deux concerts avec un pasteur Florissin, pasteur Nicolas, pasteur Zéphir, et donc, nous faisons un programme similaire et anglais, second language, training pour nursing assistant. Et donc, Moving from Dead to Asset, qui est des haïtiens en pile, comment on peut manier, si ça regagne, hein, pour ne pas disparaître en un clin d'œil. Et donc, l'idée est d'encourager les jeunes pour suivre l'éducation. Yo. Et donc, il y a une section qui parle directement sociale, parce que l'essentiellement spirituel, c'est que depuis 4 ans, l'église nous a ouvert un service totalement en anglais. Pour les haïtiens qui est d'expression anglaise. Sur nous avons un programme de 8h à 10h, le culte en anglais, et 11h30 à 1h30, le culte en français créole. Et nous avons apprécié la présence en pile jeune, qui n'est pas dans l'église du tout, mais qui connaît venir parce qu'on programme pour eux-mêmes dans la langue païo. Et parole bon Dieu, elle a plusieurs dimensions, touchez-nous spirituellement, touchez-nous moralement, touchez-nous socialement, et nous comptons pour ça qu'elle ne fait pas. Et donc, c'est ça que moi je voulais s'y aller pour aujourd'hui. Moi je voulais accentuer encore la réaction dans le département qui va attention à mon Dieu qui fait venir. Et donc, once in a while, de temps en temps, il y a un monde qui vient ici, dans Boston, pour raison médicale. Et puis, et du haut, mon petit appartement, et même si son petit chambre, $400 par mois, on va bien pour 4 à 5 mois, en attendant que le programme aille retourner. Et moi, pour ça, on veut ce qui est très courant, parce que Massachusetts est député pour le programme médical. Nous, dans moins d'une semaine, le Conseil général a besoin d'aide de nous, parce que nous avons déjà voté pour consulter eux, pour une entrevue similaire, mais avec l'Église, mais la Grande Assemblée, pour notre attendez à comment. Consulat capable de répondre à leurs besoins. So, we'll have more contact. Encore merci pour l'opportunité et nous souhaitons que vous continuez de travailler dans la communauté et de continuer à apprécier son affaire. Bonne blessure. Merci bien. Ma faire un petit point juste sur un projet nous gain en Haïti et ceci depuis l'année 2001 et ma petite là avec une question. Intérêt pour consulat. En 2001, même moment de commencer le travail avec HAU ici dans la communauté haïtienne pour essayer de pousser ou aider en milieu image haïtienne, moi j'étais dans l'autre volet côté noir d'Amérique en Haïti pour essayer la clinique sur santé. Je crois que en pile le pasteur là qui travaille en Haïti est capable peut-être témoigner. À situation en tout. Il y en a, pareil, nous connaissons et bénéficier, c'est voyer, essayer de négocier avec ligne aérienne, de sorte que le nous a voyagé, tout médicament à côté, nous allons avec eux comme effet
pour nous passer. Cependant, depuis 2010, l'IARN a diminué et pour le moment, on a seulement accès à deux mallettes, 50 livres chaque. Et ceci livre est arrivé dans le point côté de la voie en Haïti, où en fait le sujet a gagné en frais sur la douane. Donc, je me demande est-ce que dans ce sens, le consulat a peut-être un moyen capable d'aider les gens qui ont entré en Haïti à travailler tout, de sorte que leur arrivée en Haïti à l'époque, ils sont capables de voir, de sorte que ils sont capables de comprendre que son travail ou bien faire, ou pas de vendre rien. Donc, on est capable de gagner, ils ont laissé passer pour faire travailler ça. Parce que, on est capable de dire, les Noirs et le travail, pour le moment, nous avons un point d'ajouter l'infrastructure, la gonade pour nous établir une clinique permanente. Mais, il y en a, en fait, défi, c'est entrer avec matériel, entrer avec bagages et passer avec eux pour faire mon cadeau, ça, pour avoir des soins de santé. Donc, on va quitter là avec la question, ça, est-ce qu'on peut dire que. Consulat peut être capable d'aider au niveau Haïti pour que l'arrivée soit capable de prendre une opportunité pour sortir avec la douane. D'abord, docteur Pasteur, on va dire en réponse. Mais, alors, nous avons dit en réponse définitive, mais nous avons dit la douane n'est pas comme ça. Si on est venu avec un colis, et puis il dit comme ça, il faut être pour don, il faut qu'il prouve que c'est pour don. Il y a un peu de monde qui vient avec eux, ils disent c'est don, c'est pas don. C'est un bail qui est facile et puis qui est difficile en même temps. Moi-même, j'étais inspecteur de douane, je connais ça très bien. Ils viennent avec des médicaments qui périmés. Douane, pas quitter au passé comme ça. Et puis il faut les lister. Et puis il faut dire mes dates d'expiration. Et puis il faut aller dans le ministère de commerce pour prendre papier. Non seulement il faut gagner franchise, il faut pas gagner franchise, mais il faut lister. Et puis il faut bien spécifier qui bon médicament ça y aller. En plus, mon pensée, c'est vrai, y aller des, c'est vrai la bonne pour nous. Mais il faut nous connaître si on a un médicament qui sort ici. Il faut que le gouvernement connaisse qui boit médicament ça va aller. Si il y a un effet négatif sur le monde, qui est-ce qui te porte médicament ça, comment il peut régler ça. Mais il y a un de bonne foi pour aider vraiment. Même pas administrativement, il n'est pas fait comme ça. Mais il faut vérifier et puis il faut battre les gens qui sont allés avec eux. Mais il faut assurer que le médicament ça va joindre le monde qui est supposé joindre. Donc, toujours, Mme Bunachter a toujours fait un si. Si toutefois vous allez à Haïti avec des médicaments, vous allez chercher à connaître tout le processus, toute étape, même garantir que si vous allez conserver, il y a qu'un béo et à jeter. Donc on a habitué à faire ça. Et maman est pasteur au missile, ça a venu, Nicolas au missile. Et 5 minutes, Jean, vous carrément. Oui, mais c'est non, mais il semble que 5 minutes n'ont pas passé. Et surtout. Et surtout, c'est pas qui plus dur pour un pasteur 5 minutes. Mais la PC est faite. Bonsoir tout le monde. D'une façon spéciale, je remercie pour le consulat. C'est pour la première fois que il y a un tel mouvement qui a une direction qui est vraiment intéressante. Te gagnon époque personnellement moi te gagnon groupe si mon tapité en Haïti gagnon mission avec tes bus mais juste yon flyer de yon endroit Haïti et le marine consulat yon dit yon pas gagne en lien pour prouver moi te vraiment gêné devant les missionnaires américains mais quand yon moi ça avoir une bonne direction. Merci beaucoup et compliments. Continuez comme ça. Nous, c'est Pasteur Nicolas Omissil, fondateur du Tabernacle de la Voix de l'Évangile, Voice of Gospel Tabernacle Church, et aussi le fondateur du Centre Tabernacle Community Center. Ça nous fait une partie sociale là, et
sans mentionner partie spirituelle, parce que tout le monde connaît et responsabilité de l'Église. Mais dans la partie sociale, là, nous travaillons en pile, spécialement avec des jeunes haïtiens. Nous allons en pile l'école, et surtout, High Park High, qui n'est pas dans High Park encore, mais qui cache. Nous dans et Madison Park, West Roxbury, presque en pile l'école, nous familiers avec eux et la majorité des professeurs connaissent très bien. Nous travaillons avec professeurs, headmaster, yo, parce qu'il y a un pile de haïtiens qui n'ont pas assisté et ils pas appelé, ils ont fait l'école. Ça nous fait réaliser qu'il fait un pile qui fait l'école. C'est parce que la compétition des langues, les rappels venus, qui est très fort, et une fois qu'ils ne sont pas capables d'arriver à un niveau pour augmenter, ils viennent railler l'école. Donc, ils qui font. Si vous allez dans Forest Hill, dans Madison Square, c'est là qu'ils font classe ou presque. Et ça diminue un peu quand il y a. Nous allons dans l'école, nous faisons arrangement avec les professeurs et les gardiens de temps de soleil. Nous faisons after-school programme pour eux, nous tutoyons eux. Et jusqu'à ce que le gradio monte, et puis si les aïeux finissent, ils finiront l'école. Donc c'est ça qu'on fait. Actuellement, nous travaillons avec ces jeunes haïtiens sans-abri. Nous avons l'église nous, de conseil avec pasteur Fleurissin, qui est un pasteur tabernacle de la foi de l'Évangile. Nous travaillons avec un jeune haïtien, un pire haïtien homeless, spécialement dans la zone Madapène. La raison, c'est que les jeunes haïtiens entrent ici, les joignent un contraste entre lui et parents. Ça fait. Parents yo fini moins tolérants. Si moun yo même yon liberté pour n'importe rien, yo de yo. Donc, nous travaillons avec ti moun sa yo et nous conseiller, nous travaillons avec les parents et ti moun yo aussi. Et ça, nous pas capable de jouer une collaboration parents yo. Nous gagnons actuellement près de 6 jeunes. Ça nous fait nous arranger avec les membres de l'église, nous louons maintenant, nous mettons. Parce que nous faisons réaliser, les gens qui ont été dans la rue, ils viennent changer en drug dealer, en gang. Mais si ils ont besoin de coiffer, et la majeure partie, c'est parce qu'ils ont besoin d'affection parentale. Donc, là, nous faisons ça, nous avons deux qui ont quitté l'école. Dans la rue et qu'on y a qui dans le collège. Et depuis nous travaillons de conseil, nous link, ça veut dire nous connecter avec le département DCF, que moi-même, c'est membre d'un board of advisor. Dans DCF, nous essayons de montrer et expliquer DCF, culture haïtienne, qui côté de Simonio sorti. Et comment les parents haïtiens sont connectés avec Timounio et comment Timounio aussi les ouvini, comment ils essayaient de séparer des parents. Donc nous servons entre liaison entre DCF et aussi entre les parents haïtiens avec DCF. Donc, programme social aussi, comme Pasteur Zéphite dit, nous avons un food pantry aussi. Nous distribuons chaque mois, nous distribuons près de 1100 à 1200 pour les familles haïtiennes. Ça a aidé, si comme vous gagnez, vous prenez soin et famille la caille. Donc, nous gagnons en pile programme comme ça. Et actuellement, nous gagnons des jeunes qui entrent avant, après, et c'est en Haïti. Qui n'est pas qualifié pour TBS. Mais il y a un programme dans Massachusetts avec immigration. Si tu es en bas 21 ans et il entre ici seul, il n'y a pas personne, l'immigration est capable de légaliser. Actuellement, nous avons deux jeunes
qui était juste à marcher dans Blue Hill sans personne. Pasteur Fleury s'est rencontré, ils ont enroulé dans le programme nous. Avant 6 mois, ils ont tout déjà gagné résidence parce qu'ils étaient en bas 21 ans. Donc, c'est tout programme ça y est, et en pile l'autre programme social nous gagne, malheureusement, temps limité. Donc, nous devons connaître, puisque le consulat haïtien maintenant penché vers les églises haïtiennes, pour nous capables d'unir ensemble pour servir communautaire, nous t'aimerions rencontrer avec vous encore et discuter comment nous capables d'avancer dans le programme que nous avons pour offrir et communauté haïtienne ici à Boston et comment nous sommes capables de devenir partenaires afin que la communauté haïtienne soit capable de mieux servir. Merci beaucoup. Son bloc m'a écrit sur un verre à moitié rempli, à moitié vide. Voir le verre à moitié rempli, à moitié vide, sur le consul Alexandre qui dévoile en quatre, chaque pasteur, à décembre. Donc, tu as dit, bon, en fait, au lieu de critiquer, allons essayer constructif. Donc, puisque tu as limité au nom de pasteur de Brockton, qui est la communauté de Brockton, qui est plus que 10 qui vous présentez ici, là, et nous travaillons ensemble. Au nom de l'Église baptiste évangélique haïtienne qui est en Brockton, nous remercions le consulat. Le travail social que nous faisons, après le tremblement de terre, nous avons intervenu pour aider les frères haïtiens qui étaient sortis dans le tremblement de terre. Et à l'époque, nous avons collaboré avec le Brockton Neighborhood Health Center, pour une bande qui était venue avec trauma. Nous avons aidé pour jouer un accès à la santé, pour jouer un traitement. Et pour les capables de tout gagner accès à la housing. Et on a dit que le Neighborhood Health Center, haïtien, le deuil haïtien, au célébrer, il faut faire ensemble. Donc, nous avons réuni chaque vendredi et nous dit merci à Pasteur Floris qui a aidé au niveau de TPS, monde qui n'est pas venu. Et nous avons fait un gala de 400 monde et nous avons collecté par le 40 000 dollars qui dévoyé complètement à Haïti. Donc, nous disons merci à tout le monde qui est la communauté, et notamment à Pasteur Soline Vérine, qui a fait des démarches pour nous rejoindre près de la côté, pas seulement près de 13 familles haïtiennes qui doivent recevoir au moins 300 dollars pour les envoyer en Haïti. Au point de vue de la collaboration avec les pasteurs, nous, la Brockton, nous avons une vision shalom. C'est-à-dire que la parole shalom, c'est une vision complète, c'est-à-dire la paix complète. Donc, nous croyons que nous devons travailler avec Simon, avec les jeunes. Hier, nous sommes avec nos familles, côté un jeune garçon qui était sur le bord pour la langue de l'écrasse. Nous avons aidé les jeunes garçons à les baptiser et la paix aller. Et Gautivité qui gagne 12 ans à peu près. Chaque fois que nous travaillons, nous disons que nous n'avons pas l'école, nous n'avons pas l'aval. Parce que nous disons que vous êtes intelligent, vous n'avez pas l'aval. Nous avons plusieurs gradués dans l'école, là, le collège, là, l'église, là, qui parlent la grande université. Et nous-mêmes, l'Église baptiste évangélique haïtienne, nous sommes dans deux programmes qui participaient dans le cours de français que l'ambassade de France a sponsorisé. Donc nous avons près de 20 à 30 jeunes qui venaient pour participer au cours de français. Ça. Et le mois dernier, nous étions la semaine de la journée de la francophonie. L'autre intervention que nous faisons en tant que pasteur communautaire, nous avons un programme de housing et Mbaye Taklala. Je travaille pour une organisation qui permet que tout grand monde qui a plus que 62 ans nous aide à consécuter BHC. Donc, on a Boston, nous connaissons que Boston Housing, il prend près de 10 ans, 5 à 10 ans pour jouer à Housing. Mais si on a près de 62 ans, ou qu'il a connecté, contacté nous, nous sommes capables d'aider à jouer à Housing. L'autre programme que nous avons encore, qui fait partie de Baptiste Général Conférence, qui travaille avec Converge Worldwide, nous travaillons avec le programme One by One en Haïti, One by One programme. Nous avons près de 456 personnes dans Maïsan, que nous payons l'école pour eux-mêmes, aux soins de santé, mais faites sur Haïti pour nous accès à ce programme-là. Donc nous voulons de qualité d'éducation pour eux-mêmes. Et nous avons fait clinique parce que chaque trimestre, mon équipe calée pour faire clinique dans Maïsan. Dans mon dernier conseil, la collaboration, please, faites votre Maïsan avec un chabonneau. Parce que nous devons passer 4 rivières avant d'arriver. Et dernièrement, le niveau de Port-au-Prince, toute le zone est comme écrasée, mais c'est un bel côté. Belle côté, mais please,
le gouvernement pour la collaboration, faire outre la gouvernement Maïssa Lange. Ils ont une route de 15 minutes, mais elle fait près de 1 heure pour aller là-dedans. Nous avons un programme One by One dans Maïssa, nous avons la Port-au-Prince, nous avons la Léogane, et nous avons un programme de microfinance qui est la Léogane, et un programme de macrofinance qui tout qui prend la fête à Maïssa. Donc, nous, après le tremblement de terre, là, Converge Worldwide, parti de la conférence, investi plus de 700 000 $ en Haïti. Donc, c'est la carte, ça, nous sommes capables de collaborer. Donc, nous demandons que, pour cela, que nous apprécions premier ça, de garder la possibilité que pasteur, garder les ressources, garder le pasteur, soit mettre toute l'expérience ensemble, avec plus de 100 ans d'expérience, qui est capable d'aider le consulat et nous capables de faire une bonne collaboration. Frère Max Chabieux, bonsoir. Bonsoir. Premièrement, nous voulons remercier et toutes ces femmes, grandes femmes de Dieu et de notre communauté pour le lancement d'invitation. Ça. Remercier surtout et particulièrement et consul général. Nous disons merci parce que c'est très difficile, à part que pasteur Marc fait effort pour que tout pasteur rencontre ensemble ces jours-ci dans le gala, après pasteur Soline et autres. C'est très difficile pour que pasteur réunisse ensemble dans un seul lieu, surtout pour manger. Donc, nous voyons que c'est un très bon départ. Et moi, je n'ai pas trop dit que pasteur de telle église ou autre, c'est parce que moi, je porte plusieurs chapeaux. Plusieurs chapeaux. Et je me garde pour me dire un, pour mon simdap qui ça me fait dans la communauté, mais dans la communauté étrangère, là, pour mon pas dire c'est intéressant d'en faire. Et jusqu'à ce qu'on y a un dire un. Moi, le focus sur Haïti qui est plus important pour moi-même. Le membre de la caille, pasteur Miantil, intransigé, moi, pour me venir là. Mais il n'y a pas de plan moins pour venir là à soir parce que moi sorti dans la convention depuis le week-end là, moi de la caméra 4h15, ça le dit mon moi même venir là. Oui, venir là à 5h40, un petit peu avant consul, encore consulaire, etc. Nous entreprenons plusieurs démarches qui sont capables réellement d'améliorer la situation en Haïti et la situation de nos frères vivant ici aux États-Unis. Je toujours voulais dire, moi, c'est pasteur à beaucoup de pasteurs, africains, américains, portugais, italiens, you name it. En tant que le président de Massachusetts Baptist Charitable Society, une organisation qui existe depuis 1716, soit les noms Massachusetts Baptist Charitable Society, nous servi plus que 487 églises de tous les groupes ethniques. Donc, nous servions dans plusieurs capacités. Et nous surtout encadré nos frères haïtiens, nos frères pasteurs, ça fait venir ici, qui quitte Haïti, KBC établi ici. Nous servions dans tout domaine, mais surtout dans le domaine financier. Non. Utilio nous encadre yo avec si vous parlez l'école, vous avez des formations en divinité, en doctorat, nous encadre yo, nous faisons aux jeunes fonds. Autre chose, en notre dernier, nous avons reprendre une mission en Haïti avec famille, avec quelques membres de la première église baptiste de Norwood. Nous avons une équipe de 7 personnes qui rentrent en Haïti, nous faisons environ 9 jours, nous avons servi 500 personnes manger chaque jour. Nous avons avec un petit frère, moi, pasteur Ezekiel, qui est en Haïti déjà sur place, et nous servons chaque jour 500 personnes manger. Non pas quoi que j'ai aucune, mais pas j'ai aucune plus belle expérience que lorsque un pasteur a servi moi. Et comme tout pasteur qui l'a comme ça, et je voulais dire comme introduction, moi, les pasteurs haïtiens, ce sont les pasteurs, ce sont des rudes travailleurs. Des gens qui travaillent très dur, c'est peut-être ça que j'ai appris à respecter les pasteurs haïtiens. Et moi, je m'évolue en pile, tant qu'en pile dans nous-mêmes là, avec en pile américain, moi, je serve yo, je me leader yo. Je ne toujours dis pas qu'il n'y a aucun pasteur que je remets ni respecter par son pasteur haïtien. Donc, je compte fâcher des fois, je me dis ça, mais je me dis, je respecte tout le monde qui chita là. Quel que soit comment commencer le ministère, côté dans le ministère, qui sont fait déjà depuis 40 ans, 30 ans et autres. Les pasteurs haïtiens
nous faisons un bon bagage. Il s'est dit non ça. En pile parce que ça a eu la ouagentan, surtout jeudi samedi. En plus, moi-même, le fait que nous invitons là, ils sont venus. Vous mettez bon applaudissement pour eux. Donc, for you to pull this off, it's a great thing. So, nous voulons dire que nous continuons à aller dans la mission, mais ça n'a fait actuellement là, que pasteur Colbert Gilles Gonza et que pasteur Daniel et Pierre-Daniel Eugène Gonza, en juin, si Dieu veut, du 21 au 30 juin, on était supposé mener environ, c'était l'homme propose, Dieu dispose, on était supposé mener en pile américain en Haïti pour aller faire mission, après que nous sortions en notre plan. Cependant, nous avons seulement 5 personnes qui sont là avec nous dans la mission, hein, comme a desservi en pile ethnique groupe. Maintenant, la mission a été reportée à journée pour 27 décembre. Mais oui, ça me dit ça. T'es gon l'église dans le meilleur, quoi des bouquets, qui était tombé après le tremblement de terre 2010. Hein? Quand il y a bon Dieu, te mettez sous cœur, moi, au moins pour tout Américain, que je travaille dans la dénomination pour mener au Haïti. Effectivement, je demande, ça nous est le chef de mission, hein, pour lui agréer pour nous aller en Haïti avec moi. Mais je ne connais pas côté de mener, je ne vais pas mener dans l'église, côté papa me sortit pour 10 premiers. Nous devons mener dans le terrain neutre. Et le pasteur, le secrétaire de la Convention baptiste d'Haïti, le pasteur Emmanuel Pierre, il me dit, bon, d'arriver en Haïti, bon, groupe américain, je vais vous côté mener. Et il m'a mis en contact avec Josué Mathieu, le pasteur de la première église baptiste de Port-au-Prince, ainsi, et à pasteur Colbert Gilles, bien que le patron même notre première église baptiste, quand même. Et nous allons aller du 27 au 3 janvier à la première église baptiste de Port-au-Prince. Nous allons aller au moins à... Ça fait noter avant des missions l'autre jour, parce que nous avons seulement 5 à 7 monde. Parce que Lise Joseph et moi-même, avec 4 Américains, il n'est pas suffisant, l'arrangement n'est pas bien fait. Quand on a retourné, pour nous reconstruire l'église, la première église baptiste de Meyer, dans Meyer, quoi, pour que c'est le meilleur, nous allons reconstruire l'église ça. Nous avons besoin d'environ 26 000 dollars US. Déjà, nous avons 7 000 dollars US. Donc, nous allons aider à la reconstruction. Nous avons un poster dans la machine. Non? Donc, il n'est pas là. Donc, nous avons un compte. Seul, je vais dire pour m'aller. Nous connaissons toute façon impliqué dans une sorte de mission quand même. Mais mission à large, non? Surtout en Haïti, hein? C'est une mission ça, qui est plus rewarding, les plus compensant. Lorsqu'on est en Haïti, ou bien on mange ou est-ce qu'on est capable de souffrir, et puis ou bien n'importe qui est capable de faire des grands bagages, ou on se sent plus tôt, et nous souhaitons du courage dans le travail qu'on a fait, continuer le travail, et nous voulons une bonne note. Je vais aller à papa dans le consulat, ça vient un an ou deux ans, parce que le privé est porte, je réalise que le passeport va pas m'expirer, il ne veut pas être parti dans le Delta. Je vais aller dans le consulat, et puis dans 20-25 minutes, je vais m'en mettre une feuille de route pour ne pas me repartir dans deux minutes. Alors, on va dire à vous. Good job, ladies. Keep it up. Thank you very much. May God bless you all. Merci beaucoup, Président. Et excusez-moi d'abord auprès de nous-mêmes pour nous mettre là. C'est parce que nous voulons dans Zoom, pas qu'à fixer des lumières. Nous sommes obligés de m'aider. Je suis content pour un plus de travail pour les moyens offerts. Le travail social qui est offert, oui, c'est ça. Je pense que c'est efficace. Dire machine de concert, travail spirituel, travail social. Mais si nous avons bien compris, nous avons tout respect pour nous. Ça, le travail à faire, vous savez, nous devons saluer par le travail encore. C'est gérer le ministère des Haïtiens ici. Si, oui, si la canotée dans le développement, un pays super riche que nous avons, nous avons besoin de passer misère ici, nous avons besoin de gérer misère ici. Donc, c'est le deuxième point qui est intéressant. Qui est le développement un pays fait de nos jours, on a pu entendre la globalisation, la démondialisation, qui est ça fait de nos jours? Pas fait de l'autre façon encore avec l'investissement étranger. Des compagnies que les multinationales, des compagnies internationales avant, les échanger les multinationales, ça veut dire qu'avec la nationalité haïtienne, la nationalité jamaïcaine, etc. Et puis ils rentrent dans le pays, ils ont fait investissement dans le pays développé. Pays nous super riches, d'appeler dans la Boston Globe, climatique, dans la miel entre frontières Saint-Domingue et Haïti, ils viennent dans l'or qui vaut des milliards de dollars.
Donc, si nous bien comprenons bien tout, c'est ça en Haïti dans le métal qui est l'iridium. Alors, côté gain, là, on a toutes sortes de richesses, là, de ressources. Là, 87% de ressources humaines, nous, dehors, vous comprenez? Donc, c'est une combinaison de ressources, ça, yo. Et je me dis, je voulais dire quoi, consulat, tout, je dis, consul Brunel, ça, consul général, là, moi, je dis que, Américains, d'après les salaires faits là, you are in the making of prophecies. Prophecies, ça va accomplir avec, vous comprenez? Donc, ce n'est pas une initiative consulat qu'on fait déjà. Nous faisons pour la première fois et vont continuer à faire. Alors donc, nous avons de nos côtés plus en phase sur le deuxième point. Nous avons tiré ma grappe encore sans vouloir vous corriger le corps consulat. C'est que nous disons dans plus en sécurité, soit à la Jamaïque, à Saint-Domingue, qu'en Haïti. Mais ce n'est pas même bagaille, même ici aux États-Unis. Même les 1000 mouris, soit à comparer à un seul monde qui mourit en Haïti dans l'accident, dans l'antida. Raison pour laquelle, parce qu'il y a une infrastructure ici. Il a fait investigation, il a connu déjà un incident arrivé, plein l'hôpital, plein ambulance. Regardez ça qui est dans la marathon, il est gagné là. Même côté de bagaille, réseau, bagaille en place. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que là, quand même, il y a une porte là, si vous blessez, vous pouvez mourir avant de venir dans l'hôpital. Donc, ce n'est pas même bagaille du tout. À Jamaïque, tout le monde a l'électricité. Saint-Domingue, nous sommes ici, Santiago de los Caballeros, nous conduisons une machine, nous dormons là, moi, je vais capital, mal pour un avion. Je ne vais pas faire ça du tout avec Port-au-Prince. Le cafou de ruisseau dans Koubaru, on peut me passer. Le docteur a dit qu'il a manqué mon cafou de ruisseau. On a une naïveté pour me sauver. Pour moi, on a essayé des camions bloqués ou de là, par exemple, sur le carrément. On ne dit pas que son accident est fait là. Et puis, on a son groupe de gens qui ont une naïveté pour me passer. Mais tandis que son groupe n'est qu'à faire des ravages. Donc, avec dit, pour investissement étranger qui va faire dans le pays, il faut gagner la sécurité dans le pays. Il faut que ça ait le droit de propriété aussi. Haïti, je ne sais pas si je suis n'importe quel budget de ce domaine. Je ne sais pas si je suis un peu ou deux, je suis un peu pas pour vous. N'importe qui rentre le prendre. Il rentre le prendre, il fait ça lui avec lui-même. Quoi que le gouvernement, ça, c'est quand même pire, mais pour qu'il faut le faire, nous sommes 100% des élus, toute une mission d'association comme ça. J'aime le gouvernement, pour une police tout là, vérifier le mauvais gouvernement, tout aéroport, pas que travail à faire, propreté dans la rue, ramasser Fatra. M'applaudit sérieusement pour le bon travail qu'elle a fait. Vous voyez, qu'elle continue à faire comme ça. Mais en plus, le travail, comme pas de nous faire comparaison entre les pays développés, ça, ou comme si les pays souverains développent ça avec Haïti. Pas de comparaison possible du tout, du tout, du tout. Du tout. Donc, alors, nous avons en phase sur le deuxième moyen, pour tout qu'il a, vous voyez, pour le développement global fait dans le pays. Et nous-mêmes, tout qui passe ce qu'il a, et quoi que cela, nous-mêmes, tout nous sommes investisseurs. Nous sommes investisseurs dans le pays. Nous sommes capables de mettre sous pied des organisations. Bon, l'argent ne va pas pour Haïti, là, pour le monde de tout l'argent est retourné ici, tout l'argent est dans le domaine. Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure sur place. Pas d'organisation, pas de compagnie, pas de rien. Comme Haïti, nous avons fait le travail. Actuellement, nous sommes sur le bloc de la deux semaines de cela. Et quand des compagnies américaines qui rentrent en Haïti, acheter pas de travail. C'est eux-mêmes, quand vous parlez de 4 à 5 compagnies américaines, qui ont géré à faire Fatra en Haïti, qui ont fait acheter Fatra, venir ici avec eux, qui ont fait ça, ils vont faire avec là. Donc ça veut dire que c'est nous-mêmes qui pouvons prendre le pays en main à toutes les ressources qui gagnent. L'autre, nous sommes une parole qu'il faut dire avec le pasteur Eugène tout à l'heure. Moi, je dis que si l'Occident apprend un autre génocide, c'est le peuple haïtien. Parce qu'il est bouqué avec nous-mêmes. Nous avons un pays qui est riche, nous allons faire avec lui-même. Et pas de richesse qui a gaspillé de nos jours encore. Depuis le côté, on va l'être. Et ça me dit. Je voudrais d'abord remercier le pasteur qui a fait le déplacement. Je connais la valeur et l'importance de nous. Nous connaissons que nous sommes des gens qui sont vraiment occupés et nous avons déjà que nous avons messe demain matin pour nous préparer. Donc nous avons vraiment apprécié que nous avons fait le déplacement. Merci beaucoup. Je voudrais dire que la rencontre ça, c'est un compromis à la vie parce que malheureusement, c'est vrai, nous apprenons pile. Parce que dans l'activité que nous-mêmes, pasteurs, avons fait dans la communauté, nous ne connaissons pas. Moi, c'est que son séance qui permet nous-mêmes, dans le consulat, de découvrir qui ça a fait. Moi, c'est très bien. Mais en même temps, dans le point que nous voulons aborder avec nous, que malheureusement, nous n'avons pas eu le temps d'entrer là-dedans. Moi, pense que ces gens, pasteurs bien essayés, proposent des états bons, que si nous devons jouer un groupe pour nous travailler en deux séances pour nous, explorer qui ça a besoin et qui gens nous décapent mettre sur pied un plan global. Je ne crois que la rencontre ça a fini et puis n'a pas fini là. Donc, je suis conseil à ce bien-être simple, parce que le consulat va continuer de travailler avec un petit groupe
et puis pour nous préparer une prochaine rencontre. Mais avant rencontre la rencontre, déjà nous avons préparé un plan pour nous connaître exactement mais qui attend Dieu, mais qui attend le consulat, mais qui attend pas nous tous. Jean Dili et Jean Pasteur et Monsieur Dili, nous comptons sur nous. Nous comptons sur nous-mêmes, pasteurs, pour faire travail civique, ça, pour faire travail avec la communauté, hein, travail avec l'Église, nous, pour nous sensibiliser pour prendre part à toute action qu'a fait le pays. Sensibiliser pour à visiter le pays, sensibiliser pour à l'investir, Jean Pasteur Roland, ce dit-là, nous-mêmes, tous nous sommes des investisseurs. Donc, tout ça, pour nous, pas seulement. Il faut nous impliquer. Moi-même, ça m'a aimé, ça m'a aimé de nous, c'est impliquer tête nous et impliquer communauté que nous avons desservie.